Et c'est parti pour cette troisième épreuve. C'est le prix de Lisieux. Cette fois, ce sont des pouliches de 2 ans qui découvrent la compétition avec un très bon départ du numéro 5, Going Night. Bien parti également à son extérieur, le numéro 9, Charming Touch, qui vient encore avec l'As That Fine, qui galope à l'extérieur, alors que le numéro 3, Rimarien, est pour l'instant en quatrième position. Quant au numéro 8, Lawless Lady, elle se rapproche maintenant côté corde, la sœur de Lowman et de Lattice, qui vient encore avec le numéro 7, Melivea. Quant à Morning Frost, elle est pour l'instant numéro 6, en avant-dernière position, à environ 600 mètres du but, avec désormais le numéro 9, Mode Charming Touch, qui est venu aux avant-postes à son extérieur, le 4, Galatea, en troisième position, tout près, galope le numéro 5, Going in the Night, avec l'As That's Fine, qui vient maintenant à l'extérieur, devant Morning Frost, le numéro 6, toujours en retrait, le numéro 2, c'est What a Name, ainsi que le numéro 7, Melivea, maintenant à 400 mètres du but, avec le 4, Galatea, qui vient maintenant attaquer le numéro 9, Charming Touch, alors qu'à l'extérieur, tente de revenir l'As That's Fine, ainsi que Morning Frost, qui a très long patienté, et passe maintenant son accélération complètement à l'extérieur. Morning Frost est de plus en plus fort, qui attaque maintenant Galatea, qui lui prend l'avantage avec en troisième position le numéro 1, Zach Fine. Morning Frost qui a pris l'ascendant désormais et qui va s'imposer ici devant Galatea. La troisième place à l'extérieur pour le numéro 2, Watenay. 6, 4 et 2, voilà l'arrivée de la troisième course, le prix de Lisieux, le numéro 6, Morning Frost, hein, qui a placé une sèche accélération, 3,40€. Belle fin de course du numéro 4, Galatea, à 7,90€. Et nous avons ensuite le numéro 2, What a Name, à 18,1€, qui s'empare de la troisième place. La quatrième place en net retrait, peut-être pour le numéro 9, Charming Touch à la photographie.